Turnfest sur Bordeaux FM. Il est 20h passé, bonsoir et bienvenue si vous me rejoignez sur Bordeaux FM pour l'émission Turnfest que je me fais un plaisir de vous proposer chaque jeudi et le dimanche en rediff. Sachez que vous pouvez retrouver les podcasts sur le site www.bordeauxfm.fr, rubrique podcast ou encore sur Spotify en recherchant Bordeaux FM. Vous pouvez également interagir avec moi si vous en avez envie sur les réseaux @turnfestradio. Et je vous ai donc préparé encore une fois une émission riche en musique avec au programme l'actu de la semaine. On reviendra sur le drame de la séparation des Daft Punk. La découverte, ce sera avec Noga RS pour le titre Views que vous avez sans doute entendu récemment dans une publicité. La reprise sera également de la partie avec le morceau Sea of Love, vieux titre repris il y a quelques années par la talentueuse Cat Power. On retournera en 1995 pour un titre des Red Hot Chili Peppers. Le Twin Match, le coup de cœur et la BO, comme chaque semaine, seront présents. Et qui dit émission 23, dit le film Le Nombre 23, avec le grand Jim Carrey méconnaissable. Et pour débuter ce nouveau numéro, j'ai choisi un petit son sympa de Last Links, qui s'appelle Killing Switch, un peu soul électro indie, je pense que ça va vous plaire. Je vous retrouve juste après pour l'actu de la semaine dans Turnfest sur Bordeaux FM. Stranger than the other one, she was flower bound, one of a kind, the mistress of the waterfall, of the waterfall, of the waterfall. As a picture so of a burning ground, little rabbit man, little rabbit man. Every time, TikTok in my wonderland, wonderland, in my wonderland. Yeah, I'm ripping off my ticket, little rabbit man, little rabbit man, little rabbit man. Stolen by a silent crowd, I was lost inside. Avec Killing Switch de Last Links dans Turnfest sur Bordeaux FM. Et pour l'actu de la semaine, bon, je vous cache pas que je suis quand même assez dégoûtée, ça m'a un peu chamboulée car il s'agit de la séparation des Daft Punk après 28 ans de carrière ensemble. Pour moi, Daft Punk c'est clairement le renouveau de la scène techno house dans les années 90. Leur musique va exploser et les propulser au rang mondial avec des albums tels que Homework sorti en 97 qui les propulse devant la scène club. S'en suivra Discovery, Daft Club, puis Human After All qui finira de mettre tout le monde d'accord.
En 2007 sort le live A Live, enregistré lors d'une prestation incroyable au Palais Omnisport de Paris-Bercy. D'ailleurs, le titre que je vous ai choisi ce soir, c'est un extrait de cet opus live. Et là, la musique que vous entendez derrière moi, eh bien, c'est le groupe Parcels, une des dernières collabs de Daft Punk avec des artistes. Daft Punk, c'est aussi voilà, deux albums qui accompagnent les longs métrages de 2003, Interstellar 5555, film d'animation japonais de science-fiction, et le film de Disney, que vous connaissez sans doute, Tron. À la suite de ça, ils reviennent en 2013, nous proposant une musique aux accents funk. Et oui, car le funk a beaucoup quand même inspiré Thomas Bangalter, un de deux Daft Punk, car elle a quand même été pas mal bercée par ce style étant jeune, son père écoutait énormément de musique funk. L'idole Neil Rogers leur donne son son de guitare si particulier. Ils font des collabs avec Julian Casablancas des Strokes ou encore Pharrell Williams. Et c'est parti pour un succès mondial pour cet album. Jamais vu en live, mais j'en ai rêvé. Et pour être honnête, je suis dégoûtée vraiment de ne pas pouvoir vivre un live de Daft Punk maintenant, puisque c'est fini. Mais je me rappelle encore du coup de cœur que j'ai eu en écoutant Random Access Memories, le dernier album, car la première diffusion était en exclu sur Skyrock. J'avais écouté toute l'émission et tellement kiffé cet album, bien qu'il soit quand même assez différent de leur univers d'avant. Mais waouh, quel disque, franchement. Et vous, ça vous fait quoi, en fait, de voir votre enfance, adolescence, âge adulte, en compagnie de Daft Punk, se terminer, en fait? N'hésitez pas à réagir sur @turnfestradio. Et on se retrouve après mon titre favori des Daft, le live mix des deux morceaux Face to Face et Short Circuit dans Turnfest sur Bordeaux FM, extrait de l'album live A Live, sorti en 2007. Thank you.
L'actu de la semaine triste, c'est avec la séparation de Daft Punk et ce titre live de Face to Face et Short Circuit sur Bordeaux FM Downtown Fest. La découverte de la semaine, vous l'avez peut-être déjà entendue et assez récemment, car elle est notamment apparue dans une publicité. Il s'agit du titre Views de Noga Erez, originaire de Tel Aviv en Israël. Celle qu'on surnomme la Mia de Tel Aviv est de retour après un premier album remarqué en 2017. Et c'est avec ses gros sabots qu'elle revient pour nous présenter ce nouveau single Views. Excellent titre, entre trip-hop, R&B et un mélange d'électropop. En général dans ses chansons, c'est des paroles engagées sur les conditions de la femme, la jeunesse perdue ou encore avec un fort engagement politique. C'est sa recette pour cette nouvelle artiste qui est en train de mettre un grand coup de pied sur la scène électro-israélienne. Comme c'est une jeune artiste émergente malgré tout, même si elle s'impose progressivement sur les scènes internationales, il y a peu d'infos sur elle. En tout cas, j'ai pas trouvé beaucoup d'articles sur elle particulièrement, plus sur le titre du coup. Et ce que j'ai vu, c'est que les critiques sont très enthousiastes sur ce nouveau opus à paraître court en 2021. Je vais donc vous faire découvrir ce son qui se nomme Views et que je vous retrouve juste après dans Town Fest pour un style, comment dire, beaucoup plus posé. Et ce sera pour la reprise. A better job. Watch your back, I'll break your neck, I'll pop a can of iron lack and paint you black, your name in black, the list I'm keeping overpacked, the others keep the numbers fake and cut the rings, so every day I'm low until I blow, big in hell, I call me Dash the Stove, money let the puppets run the show, underrated calling me to know, underlay my beat, we have to go, see you later, underrated, still it's me, LMAO, ever get a beaten button, I'll be on the speedy button, tiny trolley with my slate in, clean and shining, but they don't mind it, you gotta chime in, no, they don't know what to keep in store, when I be counting big cash, they be on the score, they don't know what to keep in store, buy fools, buy views, that's what, no, I don't pop with that. With that. People buy views, I know it's old news, but also bad news for everybody. People buy views, I know it's old news, but I got bad news for everybody. Holy water is no juice, but I know I choose. We don't like to lose to anybody. People buy views, but I don't buy views. Don't turn on my views and watch your back. Wait, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. You ain't getting views and I know you're jealous. 8, 9, 10 milli like 11. I'ma elevate the bread till we get to heaven. I got a whole lot of cash flowing it fast. Looking like I stole in the stash. War on the best, baby. Y'all love the hate, not getting cake. I can tell that you represent that fakeness. Jig is up, I can tell your whole damn career's going under. Last year I heated up the winter like the summer, so this year I'm messing up the budget. Sheesh. Now they don't know what to keep in store. When I be counting big cash, they be on the score. They don't know what to keep in store. Buy fools, buy views, that's what now. It just hit the fan. It just hit the fan. It just hit the fan. Just hit the fan. People buy views, I know it's old news, but also bad news for everybody. People buy views, I know it's old news, but I got bad news for everybody. Holy water is no juice, but I know I choose. We don't like to lose to anybody. People buy views, but I don't buy views. Don't turn on my views and watch your back. La découverte de la semaine, c'était avec le single Views de Noga Erez dans Town Fest. Pour la reprise de cette semaine, j'ai choisi un titre très doux et nostalgique et que vous connaissez sans doute, car il est apparu dans plusieurs films. Il s'agit de Sea of Love, la version de Cat Power plus particulièrement. Le cover est très réarrangé et très différent de l'original du coup. Sortie en 2000 sur son album The Covers Record, elle réinvente le titre et l'accompagne de cette voix grave, profonde et cassée qu'on aime tant. Charline Marie Marshall, de son vrai nom, est originaire de Géorgie. Elle sort son premier album en 1995 et propose dès le départ des chansons intenses. Du coup, Sea of Love, c'est une chanson de Phil Phillips à l'origine, parue en 1959. Et c'est ce qu'on appelle un One Hit Wonder. C'est-à-dire qu'en fait, l'artiste n'a sorti qu'un titre connu, un peu comme Born to be Alive de
de Patrick Hernandez. Cette chanson a été écrite pour un coup de cœur du chanteur et donc c'est un texte plein d'amour. Je vous propose donc d'écouter avec moi cette reprise de Sea of Love de Phil Phillips par Cat Power pour un moment d'intense douceur. Et après le retour en 1995, ce sera pour le Flashback 90s d'Entente Fest sur Bordeaux FM. Come with me, my love, to the sea of love. I want to tell you how much I love you. Do you remember? La très belle reprise de Cat Power du single Sea of Love de Phil Phillips dans Entente Fest. Cette semaine, on va encore repartir dans le passé, avec l'année cette fois-ci 1995. Et si je vous dis le titre Aeroplane, ça vous évoque quel groupe ? Eh bien, les Red Hot Chili Peppers, un des groupes phares des années 90. Ils ont apporté quelque chose de complètement nouveau sur la scène rock en proposant des touches de jazz funk à leur énergie guitaristique, si on veut. Et il y a une histoire du groupe que j'aime bien raconter, mais qui a un début triste quand même. C'est lorsqu'en 1988, le guitariste Hillel Slovak, le premier du groupe, meurt soudainement d'une overdose. Et alors John Frusciante, grand fan du groupe, eh ben, le remplace. Je crois, enfin j'ai eu dire, qu'ils se sont vraiment rencontrés pour la première fois, lui et le band, dans un studio d'enregistrement justement, où John Frusciante venait enregistrer des trucs. En tout cas, j'ai lu cette histoire quelque part et je l'ai entendue aussi, donc voilà, je voulais la partager. À l'époque, je sais pas s'ils se sont pas dit Anthony Kiedis et les autres, mais c'est quoi ce fan qui veut jouer avec nous en fait. Et franchement, quand ils ont dû l'entendre à l'essai, ils ont dû halluciner. Et oui, car on connaît tous ce fameux jeu Frusciante qui fait aussi le son du groupe. Hein. C'est un grand guitariste. On a vu ça aussi avec ses projets solo. Le single choisi donc aujourd'hui, c'est Aeroplane, paru sur l'album One Hot Minute en 1995 donc. Et j'adore ce titre groovy qui met la pêche, alors on va apprécier de suite ce morceau d'Entente Fest sur Bordeaux FM. Et juste après, c'est le Twin Match.
spiked with pain. Just one note can make me float, can make me float away. One note from the song she wrote could fuck me where I lay. Just one note can make me choke, one note that's not for life. Just one note could cut my throat, one note could make me die. I like feathers spiked with pain, and music is my aeroplane. It's my aeroplane. Summer, sweet and sour, Jane, and music is my aeroplane. It's my aeroplane. Turnfest, le Twin Match. Retour dans Turnfest après le flashback 90s, et c'était avec les Red Hot Chili Peppers et leur titre Aeroplane dans Turnfest, sorti en 1995 et paru sur l'album One Hot Minute. C'est le moment du Twin Match avec cette semaine de l'électro indie pop avec les groupes Electric Guest et Jungle opposés aujourd'hui pour ce Twin Match. Et je vais vous rappeler le principe vite fait, c'est tout simplement quand vous remarquez une ressemblance entre deux sons. Ça peut être la voix chantée, l'instru, les accords. En gros, vraiment, quand vous dites direct « Ah, mais ça me fait penser à cette autre chanson !» Du coup, gros coup de hasard, mais genre même pas une playlist programmée ou quoi, hein. Je suis tombée sur un titre de Electric Guest et je me suis dit direct « Ah, mais c'est le groupe Jungle !» Et non, raté. Mais la ressemblance stylistique des sons et la voix chantée m'ont trompé, vraiment, ça m'a fait penser à Jungle. Le premier titre, ça va être celui d'Electric Guest, Awake, des voix au perché et un petit rythme cool. Et en face, il y aura Jungle, le collectif de musiciens britanniques fondé à Londres en 2013 et influencé par le son soul-funk des années 1970. Les deux groupes perso, j'adore, et vous pouvez vous aussi me proposer des Twin Match si vous en avez sur les réseaux @turnfestradio. On va se lancer donc dans ce Twin Match avec Heavy California de Jungle, précédé de Electric Guest et Awake dans l'émission de ce soir. Back to sun again, must be fade, the way it was all day. Black axe to a man at the gate. Something perished past and
Turnfest, le Twin Match. Le match du soir, c'était entre Jungle et Electric Guest dans Turnfest sur Bordeaux FM. Et pour continuer l'émission, partons du côté de mon coup de cœur avec Badly Drawn Boy, dont je vous avais déjà présenté un titre dans une précédente émission. Ce compositeur de rock indé nous arrive tout droit d'Angleterre. Et en 2002, il y a même le magazine Q qui l'ajoute dans sa liste des 50 artistes à voir avant de mourir, peut-être par son côté très bavard lors de ses concerts entre les morceaux. Badly Drawn Boy est un artiste plutôt considéré comme pop folk et l'album éponyme qui n'a pas été accueilli comme il se doit à l'époque de sa sortie reste pour moi un très bon album. Ce que je trouve regrettable car je trouve vraiment que malgré tout c'est plutôt frais et le titre choisi d'aujourd'hui est un peu sautillant. On passe un bon moment en l'écoutant et de plus les pochettes de ses albums sont toujours soignées. Un artiste qui date des années 2000 et qui s'est aussi adonné au cinéma. Une actualité bientôt peut-être à suivre. En attendant, je vous propose d'apprécier ce titre de Badly Drawn Boy qui s'appelle All Possibilities dans Turnfest sur Bordeaux FM. Et juste après la BO du film, le nombre 23. Restez avec moi. Possibilities are landing at my feet.
Le coup de cœur de l'émission, c'était pour l'artiste Badly Drawn Boy et son titre All Possibilities dans Turnfest sur Bordeaux FM. Et un des moments que j'adore dans cette émission, c'est la BO. J'aime vous proposer des films, j'adore choisir les morceaux. Et qui dit émission 23 dit un film en rapport non. Alors j'ai choisi le nombre 23. Mais par contre, pour commencer, je voudrais pousser un petit coup de gueule contre le journaliste Sébastien Moge, qui a juste détruit le film dans une de ses critiques. Et sérieux, ça m'a choqué. Ok, c'est pas non plus un grand film, mais honnêtement, c'est pas souvent que sortent des films du type thriller numérologique et psychotique. Le scénario est très bien trouvé, bien pensé. Ce film, il a été réalisé par Joël Schumacher en 2007 avec un Jim Carrey en acteur principal, très surprenant de justesse dans son rôle d'homme qui se retrouve à la dérive dans les abysses de son obsession qui naît et qui va peu à peu le bouffer littéralement pour le faire tomber dans une psychose profonde. Moi je trouve qu'il est juste méconnaissable, à l'opposé total de tous ses autres rôles dans les films Ace Ventura ou encore The Mask pour les plus connus. L'histoire, rapidement du coup, c'est celle de Walter qui mène une vie plutôt paisible. Il travaille pour une fourrière d'animaux. Il est marié, tout va bien, il a un enfant, un jeune adolescent. Et c'est son anniversaire et il tombe sur un étrange livre dans une petite librairie qui se nomme tout simplement le nombre 23. Walter ne se doute pas une seconde que ce livre, ressemblance entre sa vie et le scénario, l'histoire du livre, va bouleverser son existence. Le film est très bien réussi, je trouve, et vraiment en termes de thriller psychologique, c'est un des meilleurs personnellement, je pense, avec Seven, vous savez, avec Brad Pitt. En tout cas, je trouve, quoi. Pour la BO, j'ai pris un titre très rock alternatif issu du film, ça s'appelle Tear You Apart, et c'est de She Wants Revenge. Je vous laisse avec ce son, et je vous retrouve juste après pour, malheureusement, la fin d'émission. Donc, à de suite dans Turnfest. Close your eyes.
fucking tear you apart. La BO du soir, c'était avec le film Le Nombre 23, sorti en 2007 avec un Jim Carrey époustouflant. Et c'est déjà la fin d'émission et je me suis encore régalée à vous préparer ce numéro. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez me donner votre avis et vous abonner aux pages sur @turnfestradio sur Facebook et Instagram. Je vous rappelle aussi que vous pouvez retrouver tous les épisodes de Bordeaux FM, les podcasts, sur la page web de www.bordeauxfm.fr, rubrique podcast, ou sur Spotify en tapant Bordeaux FM. Je vous ai donc concocté une petite fin d'émission chill avec deux titres. Le premier, c'est celui de Layo and Bushwaka pour Love Story. Et le deuxième, c'est Mozambique Travel Plan de Austin Jex. Ne vous inquiétez pas, je tenais à le préciser, je vais faire une playlist des émissions 2021 pour que vous retrouviez les morceaux, que vous pouviez réécouter les anciens sons des anciennes émissions. Parce que je sais que quand je prononce à l'antenne, des fois, c'est pas très compréhensible et franchement, je m'en excuse. Il y a des fois des noms pas faciles à dire, donc désolé. Pour les deux morceaux, ça va être des pianos entêtants, c'est ce qui vous attend de suite dans Turnfest. Et c'était Audrey, j'étais vraiment ravie de vous retrouver comme chaque jeudi et dimanche en rediff. Et je vous souhaite une excellente soirée sur Bordeaux FM et je vous retrouve la semaine prochaine. Bisous, bonne soirée à vous. Jeudi, dimanche, 20h-21h, Turnfest sur Bordeaux FM.
I gotta tell you. I need to tell you, baby.
dimanche 20h-21h, Turnfest sur Bordeaux FM.